L'Algérie se lance dans la production d'acier plat. Oublie pas de t'abonner. Le complexe sidérurgique Tosiali Algérie, situé dans la wilaya d'Oran, a annoncé ce lundi le démarrage de son usine de production d'acier plat. Cette mise en service marque la première phase d'un projet qui devrait atteindre sa pleine capacité au second semestre de 2024. Dans un communiqué, Tosiali Algérie a déclaré « Nous avons l'immense honneur d'annoncer la mise en service de notre usine de production d'acier plat en mai 2024, marquant ainsi le début de ce nouvel investissement. Le communiqué précise que cette nouvelle unité permettra de répondre aux besoins nationaux en acier plat tout en positionnant l'entreprise comme un exportateur majeur. La contribution de Tosiali Algérie à l'intégration industrielle de l'Algérie et à l'augmentation des revenus d'exportation hors hydrocarbures sera significative, souligne l'entreprise. En décembre dernier, le vice-président de Tosiali Algérie avait annoncé que la production partielle de cette nouvelle usine débuterait en juin. Il a précisé que cette première phase permettra de produire 3 millions de tonnes d'acier, augmentant ainsi les revenus d'exportation grâce à des produits à plus haute valeur ajoutée. La ligne de production des plats laminés sera entièrement opérationnelle au cours du second semestre de 2024, portant le nombre d'employés du complexe à 6500. L'investissement pour cette nouvelle usine se situera entre 120 et 150 millions de dollars, générant une économie de devises de plus de 60 millions de dollars par an pour l'Algérie. Le vice-président de Tosiali Algérie avait également indiqué que cette usine produira des aciers de haute gamme tels que des aciers plats, laminés, à chaud et à froid et galvanisés. Ces produits permettront au secteur de l'automobile et de l'électroménager d'augmenter leur taux d'intégration. En 2022, Tosiali Algérie a produit 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques et exporté environ 1,3 million de tonnes, générant des revenus de plus de 800 millions de dollars. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Oublie pas de t'abonner.